La vie passe vite. Au contraire. Mmh. Hey, moi, je trouve que c'est long. Surtout quand j'attends. J'ai assez hâte que Greg arrive, moi. Moi, je suis sorti avec un de mes vieux chums d'université hier. Je l'avais pas vu depuis des années. Alain, là, il était petit, là. Il est rendu qu'il est plein de muscles partout. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on s'en va chez Sam. Pis si Greg arrive pas dans... Si Greg arrive pas dans 10 minutes, là, ben moi, j'y vais tout seul. Il a l'air 10 ans plus jeune que moi, à part de ça. Je te dis que lui, il sait comment se tenir en forme. Et puis c'est juste les 300 premiers disques des cactus polaires qui sont en vente. Plus il va être tard, moins il va en rester. Michel, penses-tu qu'il est trop tard? J'espère que non. Parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire, moi, à Greg. Non. Je parle de moi, là. Trouves-tu que j'ai l'air vieux? Ben, t'as l'air de ton âge, n'est-ce pas? Oui, mais pour un gars de mon âge, là, j'ai-tu l'air en forme? Faut dire que t'es pas gros, hein? Je suis pas si petit que ça, non? Non, mais mettons que quand t'en as les gros bras, t'as pas mal de chemin à faire. C'est certainement pas toi qui vas jouer dans Terminator 3, tu sais. Uh-huh. Déchiras jamais la couture de tes pantalons. Non, arrête de niaiser, Michel. J'aimerais ça avoir la vie de mon fils, tu sais, qu'on ait une conversation d'homme à homme, là. Bon. Tes amis, là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? On a d'autres choses à faire que de parler des muscles de Charles Couillard, non? Non, je sais bien, mais ils doivent quand même émettre des commentaires, des fois, non? Fais-toi-en pas, là. T'es bien correct comme t'es, là. Prends-donc un bon croissant au chocolat. Non, merci. Mon Dieu, qu'est-ce qui te prend? Hey, on l'a gardé juste pour toi. Merci, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de mieux m'alimenter et de faire de l'exercice. Hey, ça t'a pas fait du bien de voir ton chum Alain hier soir, toi? Non, au contraire. Tu vois, il m'a fait comprendre qu'un cerveau fonctionne mieux dans un corps en santé. Hein? C'est bête, mais c'est ça. C'est probablement pour ça que j'ai pas de nouvelles idées pour mes jeux. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'on devrait surveiller notre alimentation dans cette maison-ci. Hein? Ça ne fera pas de tort à personne. As-tu parlé à maman? Non, pas encore. Ben, moi, je vois de compte. On a déjà assez d'une diabétique dans la maison. Michel, viens ici! En parlant du loup. Ah ouais, je suis pressée. Relax, Michel, il n'y a pas le feu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis pas sûre que ça m'intéresse. J'ai trouvé pourquoi t'es constipée. Pourquoi tu me dis ça, là? Prends-tu pour un médecin? Ben non, Michel, mais ma patience a des limites. 3 jours à t'entendre te plaindre sans arrêt, c'est assez. Pauvre petite fille, hein? Et qu'a fait donc petit? Oh, c'est juste ça ta grande nouvelle. Ben, c'est un début. T'es constipée ou non, Michel? Oh oui, là. Bon, ben je viens de lire quelque chose qui pourrait t'intéresser. As-tu remarqué que quand tu vas camper, t'es moins constipé qu'à la maison? Peut-être. Michel, oui ou non? Ça se pourrait. Bon, ben tu vois, ça explique tout. C'est parce que les toilettes sont trop hautes. Les études ont prouvé que ça empêchait les intestins de se vider complètement. Ah oui? On devrait toujours faire ça accroupi, tu sais. Un petit chausson pomme avec ça? Comment veux-tu que je baisse la hauteur de la toilette? Hey, j'ai pas dit que je réglerais ton problème, là. J'ai juste dit que je l'avais identifié. Je peux pas tout faire en même temps, là. Savais-tu que j'installe ma tente en permanence en arrière de la maison? Ben, sais-tu que ce serait pas une mauvaise idée, hein? Puis tu pourrais amener ta batterie avec toi, hein? Très drôle. Hey, il y a 350 ans, dans le temps de Louis XIV puis des châteaux de Versailles, est-ce que tu sais où les gens faisaient ça? Steph, je viens de manger. C'est un sujet très naturel, Michel. Ah, pour ça, oui. Avant, les toilettes, ça devait être des bécosses. Ben non, ils faisaient ça dans des petits pots. Puis ils vidaient ça en pleine rue. Ah! Ils vidaient ça dans les rues? Hein? Puis si les passants faisaient pas attention, ils risquaient de recevoir ça sa tête. Wouah! C'est bien dégueulasse! Ça, c'est rien, hein? Quand l'envie leur prenait puis qu'ils étaient pas chez eux, ils faisaient ça en pleine rue. Paraît-il que ça puait tellement, là, que c'était insupportable. Ça a pas dû faire de bien à cause d'ozone, ça, hein? Michel, ça n'a rien à voir. Vraiment, Steph. T'es choisi, toi, tes sujets de recherche. Ouais. Attends, écoute ça! Hey, j'ai plus le temps, là. Pour une fois que tu peux apprendre quelque chose, Michel. Bon, ben dans les châteaux comme à Versailles, les gens faisaient ça en arrière des rideaux ou en arrière des portes. Ça devait être chic, hein? Ça, c'est rien. Le roi, quand il voulait... Écoute, la sœur, je pense que je me suis assez instruit pour ce matin. Mon cerveau vient de bloquer. Je dirais pas ce que je pense, hein? T'es tout si bien, oui. Qu'est-ce qu'il fait, donc? Il arrive pas. Salut. Bon, enfin, qu'est-ce que tu faisais? Je suis allée acheter ma cassette pour pouvoir faire ma copie.
Copie. Faudrait peut-être commencer par se rendre chez Sam. T'aurais pu attendre, hein? Sans disque, elle sert à rien, ta cassette. Et oui, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est pas grave. Viens-t'en, là. On s'en va. Je te suis. Salut tout le monde! Michel? Quoi? C'est toi qui as utilisé la salle de bain? Ben oui, pourquoi? Alors, tu t'en vas pas. Comment ça? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Ben de quoi? La petite serviette qui traîne, là? La petite serviette qui traîne, oui. Le t-shirt, les boxers, le bain pas lavé, le plancher tout mouillé. Bref, un beau petit ménage. Bref, je te fais ça cet après-midi. Michel, je reçois pour souper. Je veux que la maison soit impeccable. Ben, c'est tout de même pas le pape qui vient souper. Non, pas le pape. Les deux grands prix. Oh non! Pas les deux grands prix. C'est rien que des snobs, eux autres. Michel Couillard. Promis, maman, je vais le faire en revenant. Je veux pas prendre de risque, Michel. Come on! Je veux que tu le fasses maintenant. Oui, mais maman, tu vas me faire rater le solde chez Sam. Mm. Y en a tous les mois des soldes chez Sam. Toi, mêle-toi tes affaires, OK? Michel, si tu veux, tu peux finir ça très vite. 15 minutes, tout est fini. Après ça, tu fais ce que tu veux. Pourquoi faut que ce soit de suite? Parce qu'avec toi, on sait jamais quand tu reviens. Promis, maman, je vais revenir vite, hein? Ah, ouais donc! Michel, fais ça pour moi, hein? Je veux faire mes courses tranquille. Puis parlant de ça, faut que j'y aille si je veux être venue à temps pour souper. Quand t'as fini ça, là, tu fais vérifier ça par ton père. Tu fais vérifier ça par ton père. On dirait que t'as pas le choix. Attends-moi, là, je vais faire ça vite. Pas de problème. Fais ça pour toujours avoir le nez dans les livres. Ben, j'aime ça, il faut croire, hein? Ouais, ça doit être ça. Moi, c'est pas mes langues, des fois, ça me lève le cœur. Oh, ben. Hey, en parlant de lever le cœur, je te dis que j'en apprends des bonnes en faisant ma recherche, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais une recherche sur les salles de bain, si tu vois ce que je veux dire. Toi, Stéphanie Couillard, fais une recherche sur les toilettes? Ben oui, pourquoi pas? Hey, c'est un sujet super original. Je suis sûre d'être la seule de la classe qui fait ça. Ah ouais, mais... Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les toilettes? Ah, ben, plein d'affaires! T'en parleras, Michel, c'est incroyable! Les toilettes, ça a l'air de rien, là, mais c'est comme toute une ville souterraine. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les égouts, il y en a partout, partout. Une ville souterraine? Et moi qui cherche toujours une idée pour un scénario de film, les toilettes, ça pourrait être un bon sujet. Ah ouais? Ouais, mais comme t'as dit, c'est super original. Un film sur les toilettes. Oui, un film d'horreur. Ah, comment tu ferais ça? Les toilettes de la mort. C'est de vendredi le 13, et comme par hasard, toutes les toilettes de la ville bougent en même temps. Personne ne sait pourquoi, mais plus tard, on apprend que c'est à cause de super invasion de rats dans les égouts. Ah, arc! Mais ça, ça devient super dangereux parce que les rats... Il sort des toilettes, ils envahissent nos maisons! Ben, franchement... Oh, des gros rats dégoulinants! Ah, t'es dégueu, Greg! Oh, oui, mais ça, ça sert à rien parce que les rats, ils sont affamés. Et puis, ils s'attaquent aux humains et aux animaux! Oui! Oui, on pourrait se servir de bourgeois! Oh, ben, t'es malade! Oh, ouais! Oh, ça serait un bon film, ça! Bon, moi, j'ai faim. Je vais aller au dépanneur m'en chercher du chocolat. T'en veux? Mais Greg, il est 9h15 du matin. J'ai un grand queue. Ça doit être ça qu'on appelle inspiration, hein? En tout cas, Greg, si un jour ton film fonctionne, je vais avoir des droits d'auteur, hein? C'est mon idée, hein? Promis! Bye-bye! Bye! Yark! Des rats. Quelle idée que j'ai eue de travailler sur les toilettes aussi. Allô? Ah, allô, Julie, comment ça va? À la campagne? Oh, ben, certain que ça me tente, ça va m'aérer l'esprit. Je me comprends. Bon, ben, y a pas de problème, j'ai juste à avertir mes parents. Ah, ben non, pas tout de suite, faut que je finisse ma recherche, là. Ben, j'achève, donne-moi une heure.
Ouais, ouais, puis je te promets que je vais être là à temps. OK. OK, c'est parfait. Super. Je me dépêche. Bye-bye. Michel! Quoi? Savais-tu que le roi Louis XIV voulait pas s'accroupir comme le reste du peuple? Ah, je veux rien savoir de ton roi Louis numéro 14. Il utilisait une espèce de trône avec un trou dans le milieu puis il soulageait devant tout le monde tout en donnant ses ordres. Mais arrête de me polluer les oreilles avec tes histoires, là. Je veux plus t'entendre. En dessous de sa chaise percée, il y avait un bassin. Quand il était plein, c'était un valet qui le vidait. Je vais commencer à croire que t'es bouché, là. Laisse-moi tranquille, Steph. Il s'occupait aussi d'essuyer le derrière du roi. On l'appelait le chevalier torche-cul. Non, mais tu te rends compte que les premiers laveurs de toilettes, c'était des hommes? Ça doit être pour ça que vous avez un talent fou pour décrasser le bol. Si t'arrêtes pas, tu vas le regretter. Mais c'est bien long, là. Tu finis de laver le bol. Steph, je te le répéterai plus, là. M'as-tu parlé, ma petite crotte dorée? Hey, là, c'est assez. Tu vas arrêter de m'écœurer avec tes maudites histoires de toilettes. Si t'aimes ça tant que ça, les toilettes, là, tu vas aller les laver à ma place. Papa! Papa, Michel s'en va sans finir la toilette! Papa! T'aimes ça écœurer le monde, hein? Mais quand il est temps de te défendre, t'es même pas capable tout seul. Oh! J'ai le droit de faire les recherches que je veux, OK? Il paraît que les filles aiment ça se laver les cheveux dans l'autre toilette. Attends un petit peu que je t'attrape, là, pour un petit shampoing. Non! Oh non, pas vrai! Aïe, 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 aïe. Sors de là! Je vais faire ça vite, là, 5. Oblige-moi pas à prendre les grands moyens. Mais tu comprends, ils peuvent pas m'attendre. Hey, si tu me laisses pas la place, là... 7. M'excuse, mais faut que je finisse ma recherche. Ça va être de ta faute. 9. Je sais que c'est pas fait, Michel, mais j'ai pas le choix. Tu l'auras voulu. 10. Je commence la grande opération. 11. Ah, avec cette tournevis-là, ça devrait marcher. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Ah non, ça marche pas. Ah, avec lui. Parfait. Ça devrait pas être bien, bien long, là. Michel! Ah, c'est réglé pour la première vis. Maintenant, il en reste juste une. T'as pas le droit de faire ça, Michel! 3 petits coups, puis c'est fini. 1, 2. Ouch! Ouch! T'es complètement fou, Michel! Il va falloir que je te montre comment te servir d'un tournevis, mon gars. Ça n'a pas de bon sens. Ferme à la main. Bouge pas, bouge pas. Ouch, ouch. Bon, tiens. J'aurais plutôt me montrer comment ouvrir une porte sans tout démolir la maison. Du calme, du calme. C'est quand même pas la Troisième Guerre mondiale, là. Papa, veux-tu bien me dire comment faire pour ouvrir? Ouais. Ah ouais, papa, fais quelque chose. Stéphanie, veux-tu tu vas être gentil, tu vas laisser la place à ton frère, là? Comment tu veux que je sorte? Eh bien, remets la poignée à sa place et débarre la porte. Hein? Ben, je trouve pas la poignée. Non, 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 hey, c'est faux. Hey, tu l'as dans les mains. Stéphanie? Stéphanie? Quoi? Sors de là tout de suite. 30 tasses de 500 millilitres égale 15 litres. Hey, papa, savais-tu qu'à chaque fois qu'on tirait la chasse d'eau, là, on perdait 15 litres d'eau? Ben, je vais dire à tout le monde que t'aimes ça fouiller dans le bol, Madame Pipi. T'es pas drôle. Papa, je pourrais jamais faire le ménage ce matin. La salle de bain est jamais libre. Attends une minute, là. Prends pas ça comme ça. Comment veux-tu que je le prenne? Avec ruse. Ruse? Stéphanie, je le sais que t'as grand cœur. Tu peux être tellement fine quand tu veux. Bon, ben là, Stéphanie, tu sais qu'il n'est pas trop tard pour te reprendre, hein? Papa, j'achève, là. Steph, si tu sors pas tout de suite, là, je t'avertis, tu feras le ménage à ma place. Pas d'affaire, c'est pas mon tour. Stéphanie, veux-tu, s'il te plaît? Il me reste juste ma douche à prendre, OK? Puis je vais pouvoir être à l'heure à mon rendez-vous. Tu as vu? Elle fait par exprès pour m'écœurer. Hey, moi, je m'en vais. Alors, attends. J'ai une idée. Dis pas un mot. Fais comme si t'étais parti. OK. Stéphanie? Michel est vraiment en colère, hein? Mais, Michel? Mais, Michel, pourquoi tu fais sortir Bozo? Mais, Stéphanie, Bozo est dehors, s'en laisse! Mais, il est rendu au milieu de la rue! Moi, si j'étais toi, je ferais quelque chose! Bozo! Ah! C'est pas vrai, il est dans ma chambre. Oh, qu'est-ce que tu fais, Michel? Je pensais que tu te dépêchais. C'est à cause de ma soeur. Bon, ben écoutez, moi, je vais quand même aller acheter mon journal en joguant.
essayer de trouver un moyen de la faire sortir de là, je sais pas. Facile à dire, pas facile à faire. Ah, oui. Ah, écoute, pendant que j'y pense, dans l'atelier, il y a un livre sur le bricolage. Tu vas voir, c'est un espèce de gros livre. Je pense qu'il y a du jaune sur la couverture, en quelque part, en tout cas. Là-dedans, il y a un chapitre sur les serrures. On sait jamais, ils disent peut-être comment ouvrir une porte sans démolir une maison. Bon, ben si Steph sort pas dans 10 secondes, nous autres, on y va. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, on y va! Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici, maman? J'ai oublié ma carte de guichet automatique. Ça va mal faire des courses sans argent. Ouais. As-tu fait ton ménage? Ben, c'est que... Tu l'as pas faite. Mais c'est à cause de Stéphanie. Elle s'est embarrée dans la salle de bain, puis là, elle veut plus sortir. Ouais, ben c'est bonne valeur, j'ai pas le temps de régler ça, faut que j'y aille. Ouais. Où j'ai mis ma carte? Je te dis que c'est Stéphanie Couillard-là, elle va me le payer cher. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, j'ai une idée. On va voir ce qu'on va voir. Ouais, suis-moi. Disquette, disquette. Greg, es-tu là? Disquette, je suis arrivée dans la cave. Parfait. Maintenant, va à gauche. Au fond. Quelle gauche? La gauche française, cocombe. Le mur où il y a une fenêtre, là. J'entends pas! Le mur de la fenêtre! Oh, OK. Oh non. Quoi? J'ai déchiré mon beau manteau. C'est pas grave, on va regarder ça tantôt. T'es rendu où, là? Oh, ça m'écoeure. Je l'aime, ce manteau-là. Boy, oh boy! Greg, c'est pas grave. Es-tu près de la fenêtre? Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? Maudite cœur, vous me suis pété la tête sur un poteau! Bon, vois-tu les trois grands tuyaux? Je vois pas de boyaux. Des tuyaux, t'attends pas des boyaux. Des tuyaux, il y en a partout. Et c'est une vraie ville souterraine. Bon, mais entre les trois grands tuyaux, là, il y a trois petites poignées puis une grosse. Quelle poignée? Bon, il me semble que c'est clair. En bas de la fenêtre. Près de la boîte grise? Je veux bien croire que t'es pas une 100 watts, mais ouvre tes yeux, Greg. Je vois une grosse poignée. OK, c'est ça, ouvre-la. OK. Ça a marché, là. Bouge, peux-tu, là? Roger! Roger! Pas moyen de prendre sa douche tranquille dans cette maison-ci! Une vraie maison de fou! Pourquoi j'ai oublié ça? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? En regardant la date du journal, je me rends compte que c'est ce matin mon rendez-vous avec M. Ishikawa. Ah. Mais comment est-ce que j'ai fait pour oublier ça? Mais je suis donc dans l'une d'un client aussi important. Michel, faut absolument que tu me laisses la place. Mon rendez-vous, c'est dans 20 minutes. Je suis trempé en lavette. Envoie, ça presse. Faut que je me lave. Ben, même si je la laisse, la place, il reste plus d'eau. Comment ça, il n'y a plus d'eau? Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, il faut absolument que je prenne ma douche. Attends un petit peu, là. Elle va peut-être revenir. Maudit taudis. Je te dis que c'est le moment pour manquer d'eau. Je te dis que le propriétaire, il est bon pour augmenter les loyers. Mais quand c'est le temps de faire l'entretien, il n'est pas souvent là. Tant que je l'appelle, lui. Oh, non, papa. Appelle-le pas. C'est pas nécessaire. Hein? T'sais, c'est pas la faute du propriétaire, hein? Comment ça? Ben, je pense que j'ai entendu la ville sonner la cloche tantôt. T'sais, c'est jamais bien ben long dans ce temps-là, hein? Oh, non, pas la ville qui a coupé l'eau. Mais t'sais, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de gagner du temps avec ton monsieur Chiot, Chiot, je sais pas trop quoi, là. Appelle-le, puis dis-lui que tu vas être en retard. Michel, ça se fait pas remettre un rendez-vous comme ça à dernière minute. T'as pas le choix. Ça va mal. Disquette, disquette. Greg, es-tu là? Disquette, toujours au poste. C'est beau, ça a marché. Maintenant, remets-le. À vos ordres, capitaine. Parfait, l'eau est revenue. Bouge plus maintenant. J'ai trouvé le livre jaune. C'est pas nécessaire. Oh, mais apporte-le quand même, hein. On sait jamais. OK. Opération réussie. Tu peux remonter. Roger. Roger. Oui, oui. Oui, oui, sans faute, M. Ishikawa. Merci. Bon, ben Michel, maintenant que l'eau est revenue, donne-moi la place. Je peux pas. Veux-tu envoyer? Arrête de niaiser. Je t'ai embarré. Michel, remets la poignée à sa place.
La poignée est plus ici, là. Faut que tu sortes de tes gros bras, Arnold numéro 3. Veux-tu me sacrer patience avec Terminator? Ah, excuse. Tiens, t'as juste à t'envoyer. Oh, t'as pas encore fini? Ben oui, j'ai fini. Mais je peux plus sortir. C'est niaiseux. C'est niaiseux. Comment ça se fait que j'ai pas pensé avant? Vas-y. Bon, enfin, il n'y a plus rien pour nous empêcher d'y aller. J'espère qu'il en reste encore des disques. Ouais. Papa? Quoi? Je reviens demain soir. Bon, ben, OK. Ouch! Tiens, c'est bien le temps de le couper. Aïe, 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 aïe. Oh, mais c'est pas possible. Pas moyen de laisser tout seul deux minutes. Allô, chérie. Charles, on essaie d'élever les enfants comme du monde. Michel a fait tout son ménage et c'est les traîneries de qui je trouve? Le peigne, le rasoir, Marie, la crème à barbe. Marie! Mais qu'est-ce que t'as, toi? Hier que je sors de mon meeting avec Chiokawa et ça marchera pas. Alors c'est pas le moment de me tomber dessus. J'ai pas besoin qu'on en rajoute. Oh. Oh, je suis plein. On était peut-être plein, mais un dépanneur, ça remplace pas un disque, hein? Après que tu sois bourré, là, il reste plus rien. J'ai jamais vu un fil d'attente aussi long de toute ma vie. Le monde était là depuis 7 heures ce matin. Maudite salle de bain. Sans ça, là, on l'aurait eu, notre disque des cactus polaires. Bon, faut que j'aille moi ma mère m'attend pour le souper. OK, on s'appelle, hein? Ouais, parfait. OK, on va se faire ça. Stéphanie, t'es pas supposée être en campagne, toi? Où t'as mis les bras? Dans le pot de mayonnaise? Je suis allergique aux désinfectants de toilette. Je te dis que ça pique, j'ai des boutons partout. T'es venue juste pour ça? Ben oui. Ça a sorti une fois rendu la bouche, j'étais plus capable de m'endurer. Julie et Chloé pensaient que c'était contagieux, fait que... Comme Marc-Antoine revenait, ben, je revenais avec... Je connais un bon petit remède pour ça, moi. C'est quoi? Tu te laisses tremper pendant une heure dans 15 litres d'eau de toilette. Ouais, salut. Hein? Salut, Greg. Steph, viens donc aider ton frère. En tout cas, ça valait la peine d'énerver tout le monde avec ça. Ils sont en retard d'au moins 20 minutes, les deux grands prêts. Depuis le temps qu'on les attend. Hey, surtout que moi, là, le ménage de la salle de bain, j'aurais eu le temps de le faire à peu près 10 fois. Ils sont sûrement pas en retard à cause d'une salle de bain, en tout cas. Il y en a trois. Bonne celle-là. Oh, laisse faire, Michel. Je vais le faire. Je dois bien ça, hein? Ouais, là, je te reconnais, ma grande. Ah, puis j'ai pensé à ça. J'ai pas été bien correct, la prochaine fois, je vais le faire à ta place, le ménage de la salle de bain. Ouais. C'est cool, ça? Tu vas voir, maman, on va te faire une super belle table. Ça va être chic. En passant, maman, je voulais te demander, est-ce qu'il va falloir manger le petit doigt en l'air? Faites-moi pas peur, les enfants. Faites-moi pas, maman, on va très, très bien parler. Mais Stéphanie, pourquoi quatre fourchettes? Ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire dans les grandes occasions, hein? Une fourchette pour la salade, une pour le plat principal, une pour le dessert. Oh, Steph, t'exagères, là. Bon, c'est correct. Wow, Michel, tu te forces, hein? Ben oui. Regarde, maman, c'est beau, hein? Comme dans les restaurants. Faites ça comme du monde, là. Attends, touche pas! Mon cher, elles sont délicieuses, vos petites bouchées. Au caviar, hein? Ouais. Tout à fait réussi. Très recherché votre nouveau style de cheese whiz à la crevette. Allez au salon, je finis ça avec votre père. Vous reviendrez quand ils seront arrivés. Madame? Monsieur? Les vrais fous. Ils ont du plaisir, en tout cas, ça c'est sûr. Devrait nous laisser tous gaga. Salut! Oh ben! Qu'est-ce qui arrive? Je sais que ça tombe mal et que c'est une drôle de journée pour vous demander ça, mais j'ai un problème. Et je me demandais si je pouvais pas prendre ma douche ici. Il n'y a plus d'eau chaude chez nous.
Et c'est le dernier à passer. Hey, ça, c'est le bout. Juste 2 minutes, ce sera pas long et je gaspillerai pas beaucoup d'eau chaude. Bah, faut croire que notre salle de bain, c'est la plus populaire en ville. Promis que je salirai rien, hein? Ouais, attends une minute, Greg. Maman, hein? Est-ce que Greg... Mais Michel, là, attends une seconde. C'est une farce. Ouais, pas drôle, ta farce. Hey! Whoa, whoa, man!